À Soho, juste derrière Piccadilly Circus, à la frontière de Chinatown. Ici, si vous voulez bouger, c'est l'endroit idéal. Entre les bars, les discothèques et les salles de cinéma, c'est vraiment par ici que vous allez passer un petit moment lors de votre séjour londonien. Maintenant, je vous emmène chez Momo, qui est une véritable institution à Londres. Et nous allons rencontrer Béatrice Hardisson, qui vit ici depuis un petit moment et qui va nous expliquer un petit peu sa vie ici. Donne-nous un petit peu ton actu. Alors, l'actu, c'est que là, on vient de boucler double CD Beatles Mania pour la collection Mania qui existe chez Naïve. On a déjà fait Dylan Mania, Rio Mania, enfin on a fait plusieurs volumes. Sur le disque, il y a vraiment tous les styles de musique, c'est très très mélangé et c'est ça qui m'intéresse moi, c'est vraiment, il n'y a pas de ghetto musical. Ce qui m'amuse, c'est d'aller chercher des gens qui font des choses un peu plus black, il y a du rock, il y a de l'électro, il y a Ashley aussi, les Girls of the Castle et Ashley qui est aussi là dans la pièce, ils ont fait une reprise chacun, ils ont voulu faire tous les deux Rocky Raccoon et ils l'ont fait de façon mais totalement différente. D'accord. Et donc du coup j'ai gardé les deux parce que c'était tellement intéressant et c'est tellement symptomatique de ce que je fais comme travail. Oui, tu t'es dit tiens ça va aller, voilà. Hop, je mets... Je ne veux pas me priver, j'ai mis les deux et je suis ravie de les avoir laissés parce qu'ils sont complètement différents. Et quand même chez Momo qui est une institution, c'est lui qui a le derrière. Alors, c'est à Mourad. Paris. Momo, voilà. C'est Mourad, voilà, il a le derrière à Paris, il vient d'ouvrir à Beyrouth, il a Sketch à Londres qui est un endroit qui est vraiment magnifique et quand je suis arrivée ici, j'avais un ami qui connaissait Mathieu qui est là, Mathieu Massadian. Mathieu, si ça ne t'ennuie pas de faire partie de l'interview pour deux secondes. Et Mathieu programme à Sketch et chez Momo la musique, toute la musique. DJ. Et donc je l'ai appelé et très rapidement on a fait des soirées avec Magnolia. Voilà. Alors Magnolia, toi, tu t'occupes des soirées chez Momo. Entre autres. Elle me donne la réplique. Voilà. Attends, c'est canon parce que ici c'est quand même les meilleures soirées si tu veux, de Londres. Londres, c'est un truc génial parce que c'est très mélangé. Il y a des gens qui viennent du monde entier. Mathieu, toi, il est arménien. Magnolia, elle est iranienne. Moi, j'arrive de Paris. Enfin, en fait, il y a une espèce comme ça. En fait, toi, t'es pas super original en arrivant de Paris. Non, mais moi, j'ai aussi une histoire familiale qui fait qu'on habite. Ma mère est née à Alep, si tu veux. Ah oui. Ah oui, oui. On est. C'est très mélangé et je me sens chez moi ici. C'est une ville qui accueille vraiment toutes les nationalités. Ouais. Ici, il faut dire aussi que tu as l'impression d'être complètement libre. Enfin, je veux dire, tu peux sortir en rose fluo le matin, personne ne va te... C'est un des grands bonheurs à Londres, ça, c'est qu'en fait, on peut se balader vraiment comme on veut. Les gens ne vous jugent pas. Voilà, c'est comme New York. C'est un grand plaisir. Oui, c'est très agréable, ça. Et on a l'impression que les choses sont faciles à faire. Et surtout, moi, j'ai l'impression d'être tout le temps en vacances quand je suis ici. Donc, quand je rentre, puisque j'habite ici vraiment et je vais rester ici, j'ai vraiment l'intention de rester ici. Je me suis installée tout à fait définitivement ici. D'accord. Oui, ça fait déjà un an que je suis là et je veux absolument rester. Mes enfants restent ici aussi. Enfin, c'est bon, génial, voilà. Ça c'est drôle, on est très heureux en fait. Quand je venais à Londres à 20 ans, j'étais punkette. Donc, et toi, t'étais punkette. Ouais, j'avais les cheveux noirs avec des reflets bleus comme ça. J'étais, c'est énorme. Ouais. Et c'est vrai que c'était là que ça se passait. Il y avait les Sky, il y avait tout ce mouvement-là. C'est vrai que c'est devenu, mais un peu comme Paris d'ailleurs, ça s'est embourgeoisé. Ben, c'est des villes. Ça dépend des quartiers aussi. Non, aujourd'hui, tu as quand même des quartiers qui explosent. Juste à côté, derrière Camden. Si, je vais te dire que si tu vas dans l'Est, là où ils vont c'est tous, ça. C'est ça. C'est pas du tout embourgeoisé. C'est le Lower East Side.
c'est là où il y a toutes les fêtes et tout. Il faut aussi un peu chercher, évidemment. Si à Paris ou à Londres, tu restes dans les quartiers centraux, tu vois pas grand-chose. Tu vois pas l'ouverture. Vous avez été à Camden, t'as vu ce que c'est la nuit. J'ai adoré. C'est incroyable. C'est génial. Ça vit vraiment ici la nuit, mais beaucoup. Toutes les boîtes d'ailleurs se sont installées là-bas. Voilà, moi j'ai besoin. Elle me dit d'ailleurs que autour de tout la Saint-Martin School, t'as des artistes qui sont complètement délurés. Ils sont tous dehors, je vois bien, hein, c'est rituel. Il n'y a personne qui se couche le samedi soir, ils sont dehors tout le temps, quoi. Tout le monde rentre à 5h du matin, enfin c'est un truc normal, c'est dans les mœurs, c'est un truc tout à fait. Moi et ça va, je suis un oiseau de nuit, donc c'est bon. Non, mon fils, il me disait, le truc que j'aime pas à Londres, c'est que la nuit tombe à 3h30. C'est vrai qu'il fait nuit très tôt. Je dis, alors moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Dès qu'il fait nuit, je suis contente. Donc, si tu veux, il n'y a pas de problème.